Le bulletin sur Fraternité. Très heureuse de vous savoir, nombreux à suivre ce numéro du bulletin d'information. Fidèles téléspectateurs, bonjour. Au sommaire de cette édition, disparue depuis le 10 septembre 2024 en France, l'athlète béninoise Odile Wawanu a été retrouvée saine et sauve. L'annonce a été faite par la police nationale de Seine-Maritime dans la matinée de ce vendredi 27 septembre 2024. Pendant ce temps, en Guinée, des coups de feu ont été tirés ce jeudi 26 septembre 2024 auprès du palais présidentiel à Conakry. Le gouvernement de transition guinéenne a qualifié ces informations de fausses rumeurs, créant un climat de panique. Les détails vous seront servis dans la page inter de ce soir. D'autres nouvelles seront venues de ce 20h. Voilà pour vous les titres de développement dans une poignée de secondes. Et madame, monsieur, bonjour. Des affrontements ont eu lieu ce vendredi 27 septembre 2024 à Karimomo, dans le nord du Bénin, à la frontière avec le Niger. Et selon les informations rapportées par le média local Banuto, des groupes armés ont attaqué les forces de défense et de sécurité béninoises dans la matinée de ce vendredi. Les échanges de tirs se seraient poursuivis jusqu'aux environs de 9h30 heure locale, créant une situation confuse. Aucun bilan officiel n'a encore été communiqué. La situation reste tendue dans cette zone frontalière et sujette aux incursions terroristes. Un peu plus de 3 550 milliards de francs CFA, c'est le montant du projet de budget de l'État exercice 2025 transmis à l'Assemblée nationale par le gouvernement. Ce projet de loi annonce de 11% comparé à celui de l'année dernière et table sur une progression du produit intérieur brut pour l'année prochaine. À la faveur d'une sortie médiatique, le porte-parole du gouvernement est revenu sur les ambitions de l'exécutif à travers l'adoption de ce projet de budget. Extrait d'à propos de Wilfried Rouedji. Vous avez un projet de budget qui s'établit à 3 551 milliards de francs CFA avec une progression de 11% par rapport à 2024. D'abord, tous les spécialistes, tous les observateurs, les amoureux des questions économiques ou budgétaires devraient s'attarder sur cet indicateur pour voir comment, dans un contexte comme le nôtre, marqué par des chocs exogènes, et le dernier en date, c'est la situation avec le Niger, à propos de laquelle on a entendu tellement de discours dans le sens que l'économie du Bénin tomberait. Mais là, vous voyez que dans ce contexte-là, nous faisons, non seulement notre économie se porte bien, tous les leviers sont ouverts, mais en plus, nous faisons un projet de budget qui est en croissance de 11% par rapport à celui qui est en cours d'exécution. Cela vous renseigne sur une chose, et une seule. Le travail qui a commencé depuis 2016, à savoir les réformes structurelles pour renforcer notre économie, sa transformation structurelle, porte leurs fruits. Autrement, nous aurions matière à nous inquiéter, à nous préoccuper de quelle serait la texture de notre budget pour 2025. Violence basée sur le genre, autonomisation des jeunes pour l'accès aux droits, la santé sexuelle et reproductive, entrepreneuriat, séquence jeunes du département du Borgo en formation depuis le lundi 23 septembre 2024 à l'université de Parakou. Il s'agit d'un bootcamp organisé dans le cadre du projet IES. Un projet du ministère des Sports financé par le Fonds des Nations Unies pour la population. La formation qui dure 5 jours a été lancée le mardi dernier par des responsables du projet en présence des participants venus des 8 communes du Borgo. Reportage Jacques Dégué et Franck Degla. Garantir à la jeunesse béninoise un accès plus équitable aux opportunités d'autonomisation afin de contribuer à un développement plus inclusif et durable, c'est tout le bien fondé de cette initiative portée par le ministère des Sports et soutenue par l'UNFPA à travers le Fonds Luxembourgeois. Ces 50 jeunes vont au cours de ce bootcamp bénéficier de la formation en entrepreneuriat, mais pas que. Le projet YES vise aussi à développer l'autonomisation des jeunes à travers des séances de renforcement de capacités sur diverses thématiques. Le projet YES, qui vise à promouvoir l'autonomisation des jeunes et l'accès à la santé sexuelle et reproductive, n'est pas seulement qu'une session pour vous bourrer la tête avec des notions de reproduction, de santé sexuelle, de droits reproductifs ou de violence basée sur le genre, mais l'épine dorsale de ce bootcamp, c'est la formation en entrepreneuriat, la formation dans la gestion, dans la création, la gestion de l'entreprise, la gestion financière, le management de l'entreprise.
Au terme des 5 jours de formation, ces jeunes disposeront des prérequis nécessaires pour mûrir leur idée de projet. Pour que les jeunes réalisent leur plein potentiel, il faut justement que ces jeunes soient formés. Il faut que vous ayez les instruments, il faut que vous ayez les éléments, la connaissance nécessaire pour pouvoir faire ce que nous appelons des choix éclairés, des choix de vie, des choix relatifs à votre santé, des choix relatifs à votre épanouissement, des choix relatifs à vos, dans le cadre de vos relations avec vos semblables. Ces bénéficiaires sélectionnés au terme d'un processus rigoureux mesurent la chance qu'ils ont de prendre part à ce bootcamp. Et la bonne nouvelle est que les idées de projets les plus innovantes seront accompagnées par la suite. Ce projet, ou bien ce camp, me permettra d'avoir les compétences nécessaires, des capacités pour quand même diriger une entreprise, pour quand même gérer une entreprise et pour aussi avoir aussi les compétences dans ma communauté. Parce que quand je vais dans ma communauté à la base, il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de défis. Alors, à travers ces formations qui me seront apportées, je pourrai aussi apporter ma contribution sur comment éviter les VBG, sur les questions DSSR et apporter aussi des solutions innovantes dans ma communauté en termes d'entrepreneuriat social et solidaire. Je remercie beaucoup le ministère des Sports, je remercie l'UNFPA pour cette opportunité qu'il nous offre à nous jeunes de montrer nos capacités et de se développer pour un meilleur futur. Parakou est la deuxième étape de ce bootcamp. La première formation s'était déroulée à Nantitengu. La suivante est prévue à Kandi, tandis que Ouida bouclera le périple. À l'arrivée, ce sont 200 jeunes qui verront ainsi leurs capacités renforcées. Je vous l'annonçais à l'entame de cette édition, des coups de feu ont été tirés ce jeudi 26 septembre 2024 près le palais présidentiel à Conakry. La junte au pouvoir a nié que des coups de feu aient été tirés, qualifiant ces rumeurs de folles et montées de toutes pièces dans une déclaration vue à la télévision nationale et également publiée sur le réseau social X. Les détails avec Pierrette Adjilé dans la page inter de ce jour. En Guinée, des coups de feu ont été tirés ce jeudi 26 septembre 2024 près du palais présidentiel à Conakry dans le pays. Selon un responsable diplomatique proche du dirigeant guinéen, 11 soldats auraient ouvert le feu sur les forces spéciales autour du palais. Mais les militaires ont rapidement été maîtrisés. 3 d'entre eux ont été tués et 8 autres arrêtés, mais la situation est déclarée sous contrôle. Cependant, toutes les rues menant vers le palais présidentiel ont été fermées à la circulation automobile et piétons, entraînant d'importants embouteillages. Le gouvernement de transition guinéenne a qualifié ces informations de fausses rumeurs ayant créé un climat de panique. Dans un communiqué publié sur la page INS officielle du gouvernement, la présidence a rassuré l'opinion nationale et internationale que ces rumeurs étaient infondées et montées de toutes pièces. Elle a également invité ses habitants de Kayoum et de Conakry à continuer leurs activités quotidiennes en toute tranquillité. Pendant ce temps en Haïti, l'ONU a alerté sur une grave crise de violence dans le pays, révélant qu'au moins 3661 personnes ont été tuées depuis janvier 2024 en raison de l'escalade des violences liées aux gangs. Le haut commissaire aux droits de l'homme a exprimé son indignation face à cette perte humaine, soulignant que chacune d'autres vies ne devrait être perdue à cause de cette criminalité insensé. Le rapport de l'ONU couvre la période de janvier en juin et note que 860 personnes ont été tuées et 393 blessées lors de l'opération de police à Port-au-Prince, ce qui pourrait indiquer un recours excessif à la force par les autorités. La situation en Haïti, déjà marquée par des violences persistantes de bandes criminelles, a conduit à une aggravation de la crise humanitaire avec près de 600 000 personnes déplacées. On reçoit Jacques Dégué ce soir pour l'actualité sportive. Et athlétisme pour commencer, Odile Awawanou, retrouvez.
Elle s'est bien cela portée disparue depuis le 10 septembre 2024 en France. L'athlète béninoise Odile Arwanou a été retrouvée. L'athlète championne de l'heptathlon avait suscité une grande inquiétude depuis sa disparition. Le procureur de la République de Rouen, Sébastien Gallois, s'était exprimé le mercredi 18 septembre sur cette affaire. Dans un communiqué, il avait fait le point sur les éléments, les différentes démarches entreprises et les hypothèses émises concernant la disparition de l'athlète béninoise. Par ailleurs, au Bénin, les autorités avaient déclaré être mobilisées en coordination avec leurs homologues français pour mener les recherches. L'ambassade du Bénin à Paris a également joué un rôle important dans la gestion de cette affaire. Eh bien, toutes ces démarches ont finalement permis de retrouver l'athlète. C'est donc un véritable ouf de soulagement pour sa famille et l'ensemble du peuple béninois. Et pour la seconde information, parle des ambitions de la famille Mbappé. Nommé par la famille de Kylian Mbappé, le nouveau président de Caen, Ziad Hamoud, s'est exprimé sur les ambitions des nouveaux propriétaires lors d'un entretien accordé à plusieurs médias. L'attaquant français compte faire briller le club normand Caen, mais cela demandera du temps. Il y a une ambition de remonter et d'aller se bagarrer ensuite avec les équipes du haut de tableau, explique les dirigeants cannais dans des propos rapportés par Ouest France et Foot Mercato. Brest est une très belle histoire, pourquoi pas Caen, mais attention, on n'est pas dans le coup thème, dans des choses vite faites pour qu'elles soient belles et qui vont s'effondrer dans quelques semaines. Énormément de fantasmes d'hystérie peuvent être créés sur nos actionnaires, mais je tiens à dire que l'on est dans un travail sur le moyen et long terme, a donc déclaré le dirigeant. Concrètement, combien de temps se donne la famille Mbappé pour faire remonter le club en première division? On ne sait pas fixer de délai, répond Hamoud. Je préfère pas vous dire, a-t-il donc déclaré. En tout cas, le projet est bien là. Mbappé veut quitter Caen, qui est actuellement deuxième division française, et faire remonter le club et faire jouer également le grand rôle au club dans l'élite du football français. Affaire à suivre. Merci à vous Jacques Bébé pour toutes ces précisions. Fidèles téléspectateurs, merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro du bulletin d'information. Retrouvez-moi le lundi prochain pour un autre numéro de votre bulletin télévisé. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. C'était le bulletin sur Fraternité.